Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait pas beau, hein, donc ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il fait vraiment pas beau. Il pleut, et oui, il commence à faire froid, il commence à faire très froid, surtout dans ma région. Donc là, on va faire un test de produit Action encore une fois, car j'ai les poignées de porte qui sont sales avec la crasse, tu sais, des mains ou quoi que ce soit. On va enlever. Ce qu'il y a sur le côté là, donc avec bien entendu une brosse comme tu peux voir et le produit dégraissant. Donc voilà, c'est celui-là, c'est ce petit produit ici. Donc c'est le produit Mariette Authentique Spray Dégraissant Fettloser Onwörter. Voilà, allemand, c'est allemand au savon de Marseille, Mi Marseille Save, je sais pas quoi. Donc voilà, donc ça c'est un produit pas mal dégraissant pour un usage domestique et professionnel. Consigne d'utiliser, asperger le produit de la surface, nettoyer, laisser agir, enlever ensuite la saleté à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide. Voilà. Bon là j'ai pas de chiffon humide, je l'ai oublié. Bon, hein, je sais pas si je vais en trouver un par là, par ici. Non, j'en ai pas. C'est pas grave. Donc je vais te faire voir à l'endroit où c'est vraiment sale, mais genre c'est, tu sais, c'est presque de la colle. Et alors, je vais te faire voir, on est en direct, hein. Donc regarde, c'est ici, regarde comme tu peux voir. Alors, tu verras, c'est sombre, hein. Comme tu peux voir, il pleut, hein. Il pleut partout. Donc voilà, tout ça, tu vois, c'est de la crasse. Là, c'est de la crasse. Là, on va essayer aussi de brosser ici, car regarde, c'est tout dégueu. Il faut dire ce qui est, c'est du dégueu, hein. C'est tout sale. C'est à force de poser son bras, tout ça, bah, la saleté s'y met, même la pluie peut faire aussi des taches. Donc voilà, c'est parfait. Et tu peux même peut-être aussi essayer sur le volant pour le nettoyer parce que c'est un dégraissant, ça dégraisse tout ça. Même tu peux le faire bien entendu sur les autres portes. Mais en tout cas, là, tu peux le faire. Alors, on va commencer déjà à mettre le petit produit déjà pour agir. Donc, c'est comme tu peux voir, c'est celui-là. Hein, donc, le petit produit spray dégraissant. Donc, il est sympa, hein, tu vois, en plus avec la petite photo sympathique. Donc, c'est un spray. Et voilà comment ça marche, le petit spray. Donc, on va déjà laisser agir. On va le faire une fois, une petite passe pour que tu puisses voir un petit peu comment ça fait. Alors, l'odeur, ça sent plutôt bon. Ça sent un peu les fleurs. Je sais pas, ça sent un peu ça. Ça sent pas vraiment le savon de Marseille. Ça sent vraiment les fleurs. Ouais, c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est sympa. Donc, on va laisser agir. Tu vois, ça coule un peu partout, on s'en fout. On va laisser agir quelques secondes. Et après frotter. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc j'ai pris cette brosse là. Hein. Donc ça coûte pas cher. Ça coûte quelques centimes d'euros. C'est des poils durs. D'accord? Dur mais pas non plus solide. Hein. Donc c'est en plastique. C'est dur. C'est des poils durs. Mais c'est vraiment pas mal. Je te le conseille. Tu as plusieurs couleurs. Tu as gris ou bleu. Donc si tu veux le faire. Donc allez, c'est parti. On commence. Donc là, on gratte tranquillement. Et on peut voir déjà, regarde. Je sais pas si tu vois bien, mais la saleté qui part. Pour aller sur le côté, ça va être un peu plus compliqué. Là, il fallait ouvrir après la, tu sais, la fenêtre. Donc ouais, là, il faudra peut-être en fait une brosse. Une brosse, un truc pour essuyer. Là, j'en mets pas. C'est con, hein. Peut-être bien prévoir. En fait, là, je pourrais le faire si j'ouvre la vitre, mais le problème, c'est qu'il pleut à verse dehors. Donc. Et comme ma compagne voulait que ce soit propre, eh ben, il fallait que je le fasse. Donc là, maintenant que c'est fait, alors, on va passer maintenant au plus dur. Allez, c'est parti. Oh là là, regardez ça. Eh ben, ça part tout seul. J'ai même pas besoin de frotter. Tu vois? Voilà, c'est pour toi hein, que je dis ça. C'est une solution très pratique. Très rapide, comme tu peux voir, regarde, elle est déjà noire la brosse. Alors, je sais pas si tu verras bien, mais elle est déjà un peu noire, grise, avec des petits trucs dessus, tu vois. Et donc, comme tu peux voir, elle est tout propre et ça part très facilement. Très, très facilement. Tu n'as pas forcément besoin de frotter fort. Et là, hein, tu frottes hein, vite fait sur le côté. Tu peux faire vraiment tout. Tu vois, regarde, là, tu vois, la saleté noire, tu vois, du machin du chemin. Tu peux même partir. Voilà, là, c'est un peu compliqué de l'aller dans les coins. Mais vraiment pas mal, tu vois. Et elle est pratiquement. Franchement, je vais te dire, hein, on dirait du neuf. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser un coup dessus. Hop, hop, hop. Tu vois, on passe du coup un coup dessus.
Moi, je vais le faire pour tout, hein, pour en bas, tout ça, tout le tour, tout ça. On va tester aussi le volant, comme ça, ça va être sympa. Et là, on va laisser déjà agir. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un chiffon et essuyer. Il faut que je retourne dans la maison et cherche un chiffon, tout simplement. Bon, voilà, j'ai pris un chiffon un peu pourri. Mais au moins, je peux nettoyer. Ouh, oui, c'est mieux qu'avant. Ça, c'est clair. C'est noir. Enfin, noir-marron, comme tu peux voir. Donc ça nettoie bien comme tu peux le voir. Là c'est un produit très très efficace. Tu vois, il te le dit pas forcément que ça peut être pour les voitures, mais moi je te le dis et je te le dis clairement, c'est un produit magique. Un produit magique, oui, parce que moi je me suis dit que ça va être cool. Alors il y a aussi le pink qui peut être pas mal pour toi. Le pink est sympa, mais celui-là coûte pas cher et tu peux y aller franchement les yeux fermés. Donc comme tu peux voir, ben franchement, marche nickel, tu vois. Parfait, parfait, parfait. On dirait une porte comme neuve. Regarde-moi ça. Est-ce que tu le vois? Enfin, tu ne vois pas forcément, mais on dirait que la porte est comme neuve. Top niveau. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas, ça t'aura plu de ce côté. Il est vraiment nickel. Hein. Franchement, propre de propre. Ce qu'on va essayer maintenant, c'est de le faire sur le volant. Donc on va brosser un peu le volant. Donc là, on en met sur le volant. Je ne vais pas en mettre trop parce que sinon ça va couler sur moi. On va prendre la brosse et on va le brosser directement aussi le volant pour enlever bien sûr toute la saleté qu'on a sur nos mains à chaque fois qu'on en met un peu partout. Comme ici, tu vois là, il y a de la crasse, tu vois. Ça, c'est de la crasse. Hein. Voilà, et ça part. Tu vois, regarde, la part, ça part, la crasse. La crasse part, c'est vraiment de la crasse. Hein. Tu vois, ça là, tu vois, c'est de la crasse. Regarde, il n'y a plus rien. Donc voilà, comme je te dis, c'est vraiment un dégraissant surpuissant qui peut être vraiment bien pour toi, pratique, pas cher. C'est ça qui est important, c'est que c'est pas cher. Comme tu peux voir, c'est tout noir. C'est vraiment la base. Alors ça, c'est pour ça, celui-là qui regarde cette vidéo-là, eh ben, il sera content. C'est pour ça qu'il faut toujours s'abonner à ma chaîne pour que tu puisses voir un petit peu toutes les choses qui sont bien pour toi et qui peuvent t'aider pour ta voiture. Donc là, je nettoie, hop, nickel. Là, voilà, regarde, c'est tout propre. Là, j'ai pas nettoyé là, tu vois, la crasse là. Là, il y a de la crasse, regarde, je fais ça. Regarde. Là, il y en a, j'ai pas nettoyé. Hop. En tout cas, le volant commence à rendre bien. Tu vois, ici, tu vois, c'est sale. C'est très sale là, tu vois. Hop, regarde. La trace que je viens de faire. Tu vois, j'en ai sous l'ongle. Tu vois. Donc, oui, et là, comme tu peux voir, franchement, là, ça commence à être bien nickel. Comme tu vois, c'est nickel. Tu vois, c'est tout propre. Et franchement, c'est pour ça que je te le conseille. Je te conseille ce produit, donc tu peux en remettre autant que tu veux. Hein. Il y en a beaucoup dans le flacon, hein, donc tu peux y aller. Et tu peux en faire tout le long. Donc recontinuer, recommencer à faire plusieurs fois. Là, tu vois, c'est sale ici. Bam, 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 bam. Nickel. Voilà. Fais attention quand même à l'airbag. Hein. Toujours faire attention aux airbags. Et continuer à nettoyer correctement. Là, tu vois, c'était sale ici. Hop, parfait, c'est nettoyé en 2 secondes. Donc, tu fais le combo brosse et tu vois, même un petit morceau de brosse qui part, mais c'est pas grave, c'est parce que c'est pas cher aussi. Hein. Donc, voilà, et là, t'as plus qu'à re-nettoyer tranquille. Hop, hop. Parfait. Bon, je l'ai pas fait en bas, mais c'est pas grave. Je fais déjà le volant, saute dessus. Et voilà, regardez-moi ça. Et il est comme neuf le machin. Regarde-moi ça. Oh putain, la sensation, elle est pas pareille. Hein. Elle est vraiment pas pareille. Hein. Tu vois, ça, c'est vraiment magnifique, faut que te laisser sécher après. Voilà, ça a coulé ici. Même, tu vois, pour nettoyer le tableau de bord aussi, tu vois, ça le fait briller. Franchement, je pense que c'est mon produit préféré d'action. C'est vraiment le top. Là, sur l'autre côté, tu vois, c'est vraiment dégueu. Hein. Je sais pas si tu as vu, je sais pas si tu vois bien. Regarde, voilà, c'était comme ça avant. Et là, maintenant, regarde ça. Tout propre, tout propre. Je crois que c'est la meilleure chose que j'ai fait. Donc, c'est vraiment top. Et j'espère que ça t'aura plu. Donc voilà, j'espère que cela t'aura plu. Donc n'oublie pas d'acheter ce produit-là, il est vraiment top. Je te mettrai un dégraissant dans la description si tu n'as pas d'action chez toi. Je te passerai un produit équivalent à celui-là. Désolé si t'entends pleuvoir, tu dois entendre la pluie couler ou peut-être tomber, tu vois. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vidéo simple. Comme je t'ai dit, très rapide, brosse très simple qui coûte moins d'un euro. Ça coûte un peu plus d'un euro, mais c'est pas cher. Et c'est mieux qu'un produit
qu'un produit que tu peux utiliser sur autre chose, sur du produit spécial qui va te coûter 15 euros, tu vois. Ça, c'est un produit qui coûte dans les peut-être 2,99€, enfin, un truc comme ça. C'est pas cher, d'accord. C'est pas cher, tu peux l'acheter. Et en plus, il est gros, hein. Il est assez gros format, on dirait pas comme ça. C'est un 750 ml, c'est vraiment pas mal. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Spécial Bobber. Salut tout le monde.